Hey YouTube, c'est Bluescaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Minecraft, on est sur le serveur Hypixel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va faire un petit Blocking Dead. Si vous voulez bien arrêter de me casser les couilles. Voilà, yes. Donc on est 19 sur 24, ça va monter vite. On est sur le petit serveur Hypixel, on est en Blocking Dead, Walking Dead, Blocking Dead. Gros jeu de mots les gens. Donc qu'est-ce que c'est le principe pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en gros vous êtes lâché sur une map. Au départ, vous êtes 24, c'est chacun pour sa pomme. Enfin, vous pouvez créer des alliances, mais bon, personne ne le fait, sauf si vous êtes avec un pote ou ça. Vous avez 3 armes, un pistolet, une M16 et un shotgun. Vous avez une balle de shotgun, 10 balles de mitraillette et puis 32 balles de, ouais, voilà, 32 balles de flingue. Bref, c'est plutôt sympa comme mode de jeu. Donc alors, attendez, je vais me faire un petit truc de là. Non. Et puis le but, bah, c'est de buter du zomblard. Voilà, tout simplement. Alors attendez, oui, Mako, ouais, c'est bon, j'ai. Hop. On va buter du zombie. Donc, je connais tous les endroits où il y a des coffres. Donc, on va y aller. Merde, donc là, je viens de briser ma seule balle de shotgun. Hop, 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 hop. Donc, eux, ils vont se précipiter dans la supérette. Oh, je vais pouvoir le niquer avant. Hop. Voilà, vas-y, tu peux toujours aller chercher, hein. Donc quand vous êtes dans les endroits comme ça, là où je suis, il faut mieux privilégier le shotgun. Parce que une fois que les zombies sont là, je vous cache pas que c'est plutôt la merde. Voilà, je te prie tes balles. Hop, voilà. Donc là on va dire, on a 4 kits de soins, je peux vous dire qu'on est bien. On peut... Ouais, par contre on n'a pas énormément de balles, c'est ça le problème. Attendez, est-ce qu'il a été ouvert lui? J'ai pas l'impression. Il n'a pas été ouvert celui-ci. Hop. On se casse. Hop, voilà. Donc là, on a un petit blue, on a un petit pantalon. Donc bref, le principe, ça va être de survivre. Vous voyez qu'on est passé de 24 à 19. Donc il y en a déjà qui sont morts. Et puis c'est vraiment fun. Headshot, bitch. Headshot BH. Donc voilà, donc c'est plutôt assez sympa. Hein. Pour moi, ça me fait vraiment kiffer en tout cas. Ah oui, il y a un décompte, j'avais pas vu ça. Donc je pense qu'il faut avoir le maximum de coins à la fin. Bon, on va essayer. Hein. Donc là, on est bien parti pour l'instant. Donc vous voyez, il va falloir survivre. Mais bon, il y a un moment où ça va vraiment être hardcore. Là, à la limite, ça sera presque impossible d'aller... Oh, allez, triple headshot, bitch! Je vous baise, moi, je vous baise! Donc là, quand vous êtes dans des endroits comme ça, il faut mieux, comme je vous l'ai dit, privilégier le shotgun. Hop, 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 hop. Je dois te laisser aller, moi je me casse. Hop, et voilà. Il y en a déjà là, donc là vous voyez que c'est quand même, ça commence à être un peu la merde. Hein. On est encore beaucoup, on est 16. Ne vous inquiétez pas, ça va réduire au fur et à mesure. Hop, on a tué 9 zombies pour l'instant. Presque tous en headshot. Plutôt pas mal. Hop, on peut même faire des petits doubles triangles. Plutôt sympa. Hop, headshot, bitch. Bon. Donc là, pour l'instant, ça va. Donc là, c'est ma première game de la journée, je viens de le dire. Si je parle pas énormément, c'est parce que je suis en train de me réveiller à l'instant, en fait. Je viens de me réveiller. Après, ce qu'il faut, c'est aller voir les autres gens, comme ça, s'il y en a un qui meurt, pour y prendre son stuff direct. Ah, comme là, je crois qu'il y a un mec qui est mort. Alors, attendez, là, je suis en train de faire une grosse connerie. Donc, vous voyez, la M16 attire vraiment vite, mais bon, faut jamais faire ça, hein, parce que sinon, après, vous avez une balle. Il y a l'air d'avoir du gros bordel, là. Vous voyez que là, ça commence vraiment à venir. Voilà, donc c'est un petit zombie classique, quoi. C'est pas comme un zombie sur Call of Duty. Hop, toi tu me fais tes mules. Je sais pas si je les ai ramassés, je crois bien que oui. On sait pas. Mais c'est vraiment sympa. Vous voyez, là, il commence vraiment à y avoir du zomblard. Hop. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir le maximum de coins. Essayer de viser les têtes un maximum. Il faut bien regarder derrière. Oh, bâtard. Je me casse. Donc ils font plutôt mal hein, les zombies. Hop, voilà. Je regroupe toutes mes balles. On a un petit couteau aussi. Alors attendez, je voulais pas montrer.
Voilà. Quand il a une vie le couteau, hein, je crois que voilà, vous voyez, il y a une barre de vie déjà. Je peux tuer une petite dizaine de zombies avec. Là, déjà, on en a tué 47, c'est plutôt pas mal. Hop, on va réussir à survivre. Hein. On va réussir à survivre. Donc une fois que vraiment on est à, là on est à 2 minutes de, on est à 3 minutes de game, ça, c'est presque impossible d'aller ramasser des mines. Vraiment c'est plus possible. Oh bâtard. Qui me tire dessus? Enfin c'est pas, il ne tire pas dessus mais. Donc, ça peut être vraiment fun à plusieurs. Hop. Il die. Donc là on va s'en sortir, hein. De toute façon on régène notre vie, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir l'équipe de soins, l'équipe de soins c'est vraiment si vous êtes dans la merde, mais je tiens... Si vous êtes dans la merde, c'est vous êtes dans la merde, vous n'aurez même pas le temps d'utiliser votre kit de soins. Là on est plus que 8 sur la game. Donc voilà, la map est en forme de losange, de rectangle, pardon. Donc c'est assez facile de tourner. Voilà, vous avez juste à passer par là et puis après vous tournez, vous tournez, vous tournez. Oh d'accord, donc les zombies apparaissent comme ça, très bien. Là, il commence vraiment à en avoir beaucoup. Il y a eu encore un mort. Nique ta mère. Hop, j'avais plus de balles. Donc là, j'ai plus de balles de M16. On va devoir s'en sortir avec le shotgun. Et ouais, bon, là, de toute façon, maintenant, pour aller récupérer les mines, je vous rassure, c'est presque. C'est trop chaud, mon gars. Je peux plus là. Je peux plus. C'est pas possible de récupérer des mines. Donc là, il faut faire avec les mines qu'on a. En attendant qu'un mec meure et qu'on puisse peut-être ramasser ses mines. Mais sinon, c'est un peu dur. Ah voilà, qu'est-ce que je disais. Là on a récupéré des mines du coup. Hop. De toute façon la game elle est bientôt finie. Hein. Donc, je suis jamais allé jusqu'au bout en fait. C'est la première fois que j'arrive jusqu'à là. C'est pour ça que je sais pas trop ce qui se passe après. Ah non d'accord, j'ai pris des balles de gun. Hop, headshot. Okay, on va essayer de... Alors regardez ma feed, elle est énorme. Grosse grosse feed. Ah là on est chaud. On met que des headshots, des années d'entraînement sur Call of Duty. Ça paye. Hop, headshot bitch. Headshot bitch. On est chaud, on est chaud. Et bah c'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Ouais donc là en fait ouais. Donc... Ah ok d'accord, donc là c'est vraiment jusqu'à temps que le dernier meure quoi. Ah, la petite musique. MDR. Donc, on a plus beaucoup de bouffe, ça va être la merde. Est-ce qu'il y aurait pas un petit coffre? Je crois qu'il y a un petit coffre avec de la bouffe. On va prendre le shotgun et on va aller là-dedans. En espérant que ça n'a pas été fouillé. Eh bien non. Voilà, il me fallait de la bouffe. Vraiment chaud là. Ah oui là c'est vraiment chaud hein. Ah mais comment tu veux que je survive là? Pourquoi j'ai un effet de lowness? Oh bizarre. Donc voilà, vous voyez, donc je suis mort. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop ce que je me suis pris sur la gueule pour pouvoir mourir comme ça. Peut-être que c'est à la fin où on n'a plus grand intérêt à survivre et donc du coup chacun meurt, chacun son tour. Donc je sais pas. Donc voilà, je vais faire qu'une partie. Vous voyez un peu la map, elle est vraiment stylée. Avec une petite église et tout. Enfin vraiment sympa en tout cas ce mode de jeu. Je pense en faire plus sur ma chaîne. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à me faire part eh bien, de vos avis. Et puis moi sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.